Sur les hauteurs de Joinville, un troupeau de brebis s'est installé. Ces ovins appartiennent à Florent, un papa de 4 enfants qui a décidé de changer de vie et de devenir éleveur. Un projet concrétisé en août dernier avec sa compagne. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a ce projet avec ma compagne. Et j'ai découvert l'élevage en faisant du woofing en France. Ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé m'occuper des animaux, fabriquer du fromage, vendre les fromages. Voilà, c'était quelque chose d'assez complet. Aujourd'hui, ce jeune éleveur s'occupe d'une quarantaine de brebis pour leur laine, mais aussi leur lait. Trait à la main, il sera transformé par la suite en fromage. On utilise moins d'eau, moins d'électricité. Pour l'instant, je fais des tests dans ma cuisine. J'ai fait des fromages lactiques, j'ai fait des tomes de brebis, j'ai fait de la feta. J'aimerais essayer la mozzarella, j'aimerais essayer plein de choses. Pour le moment, aucun fromage n'est commercialisé. Florent effectue uniquement des tests. Il espère créer prochainement un atelier de transformation fromagère et vendre sa production à la ferme ou sur des marchés. Si Florent gère cette partie de l'exploitation, Loeva, sa compagne, quant à elle, se charge de la métamorphose de la laine. Je mets la laine qui vient d'être lavée et séchée dans l'écharpilleuse ou la cardeuse à balancier, ça s'appelle aussi. Et ça va permettre de l'aérer, de coiffer les fibres, de mettre les fibres dans le bon sens. Et d'enlever les petits restes de poussière qu'il peut y avoir encore, les petits grains de paille. Après cette étape, la laine peut être peignée. Et pourquoi c'est important de la peigner, la laine ? Pour mettre toutes les fibres dans le même sens. Parce qu'après, si on veut la filer, il faut que les fibres soient alignées, en fait. Sinon, c'est difficile à filer. Oreiller ou encore textile, divers objets verront le jour entre ses mains. Il faudra encore un peu de patience pour pouvoir admirer le résultat final des créations de Loeva. Dans quelques mois, elles seront exposées sur les étals des marchés de Noël.